Voilà l'astuce, je l'enregistre quand même pour moi-même et pour vous. J'ai fait coulisser la maquette, donc là où il venait quand je l'avais découpé. Donc je l'ai tracé. Voilà. Je l'ai tracé avec, comme je vous ai dit. Ah, par contre, je l'ai mis plutôt ici. Hein. C'est mieux. Voilà, comme ça. J'ai mis comme ça. Donc j'ai tracé à peu près là où il passe, la toiture. Vous voyez. Et après. J'ai mis un petit bout de carton là. Et après, j'ai colissé. Attends. Regardez. Voilà. Regardez, vous avez compris. Voilà, tout est droit. Hop. Et voilà. Et comme je vous ai dit, j'ai pris le crayon et j'ai tout découpé là, comme ça. Ça bouge beaucoup. Hein. Je suis désolé, mais bon, c'est pas évident. J'ai plus qu'à découper. Et là, faire une petite continuité pour faire la pointe. Bon, c'est un peu plus haut. Voilà. Donc, le plus dur, c'est découper ça sans éclater le carton. Bon, ben, il y a assez de largeur, ça va. Si c'était plus fin, il y a des risques. Là, ça doit être gérable. Là, plutôt, c'est plutôt chiant. Ben, au pire, si ça casse, je mettrai un chou-bou. Je peux pas faire autrement. Mais là, il va falloir un cutter qui coupe super bien. Et il n'a pas l'air tellement coupé. Enfin, je le casse. Je casse la lame parce que je pense que là, il y en a marre. Ouais, un peu partout d'ailleurs, ils en ont marre. Vu que je coupe sur toute la longueur, je vais changer la lame, ça sera mieux. Moi, je suis sûr de mon coup. Voilà, c'était un petit clin d'œil à joindre de ce que j'ai dit juste après. Voilà. N'oubliez pas un pouce et abonnez-vous si le cœur vous en dit. À bientôt les amis.